Bonjour, soyez les bienvenus aux amours, on accueille nos couples du jour. Il y a Aurélie et Karim, ils viennent de Saint-Maurice-Sathonay, c'est la Bourgogne. Martine et Philippe, 36 ans de mariage, bravo. Clichy, la région parisienne. Et puis Mélanie et Robin, Colombes, c'est aussi la région parisienne. Ils nous prouvent chaque jour que le verbe aimer se conjugue surtout à l'imparfait. Mais lui, il est présent et parfait, Bruno Guillon. Merci Pascal, bonjour. Bonjour et bienvenue, bienvenue sur le plateau des amours. Merci au public, merci à vous de nous être fidèles tous les matins. Et merci aux trois couples qui font quand même l'effort de venir sur ce plateau. Parce que mine de rien, Mélanie, on prend sur soi, on se dit qu'à un moment, peut-être qu'on va se mettre à nu, peut-être qu'on va apprendre des trucs. Toute nue, non. Non, quand je dis mettre à nu, façon de parler, évidemment, on va rester habillé. Enfin, quoique sur la photo que j'ai, Robin n'est pas spécialement très habillé, hein, regardez. Ça va, ça va. C'était où ? En Islande. D'accord. En Islande, on est parti faire un petit trek d'une semaine. Et du coup, c'était en pleine montagne, on a trouvé une petite source d'eau chaude. Donc l'eau était quand même à 38 degrés. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et à la douane, ils vous ont laissé passer avec un bonnet, comme ça. Je l'ai caché à la douane. C'est son bonnet fétiche. Martine et Philippe. 36 ans de vie commune, 36 ans de mariage. Oui. Ouais. C'est-à-dire que vous vous êtes rencontrés et direct, ouais, vous l'avez demandé en mariage. Je suis arrivé à la maison. Non. Ah, hein, ah non, déjà, oui, vous n'êtes pas d'accord. Non, je t'ai dit, il fallait signer là, voilà, ah, pour oui, faire publier les bans. Ah d'accord. Ah non, ah oui, non, c'était... c'était pas le premier jour. Mais c'était pas... Je me doute bien que c'est pas le premier jour. Le premier jour, c'était la petite sortie en boîte de nuit. Exactement. Hop, il vous a... Non, c'était deux ans avant, ça. Oui, non, mais ça, c'est avant la demande en mariage, bien sûr. Oui. Non, mais je reprends le truc depuis le début, j'ai étudié. Hein. Oui. Les deux tours de périph' pour pouvoir vous parler à la sortie de la boîte de nuit, tout ça. Je suis au courant de ça, Martine. Et d'autres détails que je vais distiller pendant la demi-heure. Bien sûr. Et puis Aurélie et Karim sont également avec nous. Ça fait 13 ans que vous êtes ensemble. Ouais. Cette photo, c'était au tout début, regardez. Ah oui. C'était le premier soir. Ah, le premier soir, vous avez pris une photo. Ouais. Ce qui est original, c'est qu'en général, les candidats masculins, quand ils amènent des vieilles photos, on les voit avec des cheveux et après, ils n'en ont plus. Vous, c'est le contraire. Moi, c'est le contraire. C'est, là, il n'y en avait pas et depuis, ça a poussé. Ouais. En tout cas, soyez bienvenus, tous les deux. C'est gentil. On peut y aller maintenant que les présentations sont faites avec la première manche. Allez, Robin, Philippe, Karim, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec cette première question. Votre chérie le reconnaît aujourd'hui. Lorsqu'elle a fait ça, c'était pas très très malin. De quoi s'agit-il ? Eh ben, moi, en fait, elle me met du sel dans le café. Ah, ça, c'est, ouais, pas... ça, c'est pas top. Ouais. Mais en mode van ou... Non, dès qu'on est en embrouille, le lendemain, systématique, j'ai mon sel dans le café. En vengeance, hein. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Oh, c'est petit. Ah, oui, oui, oui. Enfin, bien. Maintenant, vous le savez, du coup, au du bout coup, de... c'est moi qui lui fais, de temps au bout de 13 ans. Ouais. Ah d'accord, vous faites, ouais, ça. De temps en temps. Ça, c'est pas le plus méchant pour, non, sortir d'une embrouille. Ça va. Mais bon, après, ça me redonne la pêche. D'accord. Hein, oui, je conseille, ouais, pas, hein, chez vous, hein, vraiment, avec le petit-déj. Mais le sel dans le café, c'est noté. Et... Philippe. Nous, c'était au début de notre relation. Je jouais au bière français. Mm-hmm. Je faisais des compétitions. Donc le bière français, c'est celui où il n'y a trois pas boules. Les trous. Trois boules. Trois de boules. Blanches, une rouge. C'est ça. Et le but, c'est quoi ? Parce qu'à chaque fois, je comprends c'est de pas. C'est de faire de la carambole. C'est qu'elle se touche. C'est la carambole. Oui, exactement. Donc, elle était en colère. Elle a pris ma queue de billard. Elle l'a mise contre le plafond. Elle l'a cassée. Elle a cassé la queue contre le plafond ? Ah, la queue. Oui. La flèche. Et ça, ça... Ah, ben, bah, j'étais pas content. Enfin, bon, voilà. D'accord. Mmh. Surtout que ça coûte cher, une queue. Ah, oui. Ouais, oui, oui. Robin. Alors moi, en fait, c'était au milieu de notre relation. J'avais une ex que je voyais un petit peu régulièrement et qu'on avait gardé bon contact. J'aime bien toujours. Les gens amènent... Il y a une ex que je voyais un petit peu régulièrement. Donc, on est sur quelle cadence ? Subtilité, une fois par mois. Une fois par mois, c'est d'accord. C'est honnête. Et du coup, un jour, elle me laisse un message vocal parce qu'elle voulait m'accompagner sur un voyage. Oui. Et Mélanie a pris mon téléphone et l'a écouté. Donc, attendez, elle devait vous accompagner sur un voyage ? Elle me proposait de m'accompagner. C'était, à l'époque, c'était à l'Oktoberfest. Et je partais avec des amis et cette personne était, avait bossé là-bas. Attendez, parce que là, j'aimerais quand même qu'on soit dans une précision. C'est par rapport à l'enquête de police. Votre ex vous proposait de vous accompagner à un festival de musique. C'est ça. Voilà. C'était un festival de bière. En tout bien. Tout honneur. Mais évidemment. Amicalement. Évidemment. Et d'ailleurs, à mon avis...
c'est ce que votre chérie s'est dit tout de suite. Oh, bah non, mais alors ça va. Partir avec son ex à un festival de musique, bah ouais, ça risque rien, évidemment. Effectivement, elle a très bien pris la chose et du coup, voilà. Robin, il fait chaud, hein. J'ai très très chaud là. Il fait chaud, hein, oui. Mais alors attendez, parce que la question, c'est lorsqu'elle a fait ça, ça n'était pas très malin. Donc elle a fait quoi, du coup? Ben, elle a écouté le message vocal et on s'est embrouillé à cause de ça, évidemment. Mais enfin, si elle l'avait pas écouté. Eh ben, on aurait mieux dormi tous les deux. Mais ou tous, ouais, les trois, on ou sait tous pas, les trois, bref, peut-être. Ouais. Elle s'appelle comment, l'ex? Lucie. Lucie. Eh bien, c'est noté. Deuxième question, Philippe. Ça fait 3 mois que vous êtes ensemble et tous les matins, elle vous envoie un texto pour vous dire qu'elle est bien arrivée au bureau. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes sous le charme? C'est trop mignon, ce genre d'attention? Ou alors, vous la charriez et vous lui dites « Et t'as pensé à prendre ton goûter ?» Ou alors, vous êtes inquiet, elle va pas quand même faire ça jusqu'à la retraite? Elle va pas me faire ça jusqu'à la retraite. Vous êtes inquiet? Ouais. D'accord. Romain? C'est très mignon. C'est très mignon. On parle des SMS de votre femme, hein, pas Lucie. Hein. Elle a dit, qu'est-ce que j'ai pas dit? Mais pourquoi? Ah, je la sens mal, mais cette émission. Pourquoi? Karim? Ah ben, moi, c'est très mignon. Trouvez ça très mignon? Ouais. C'est très mignon. C'est moi qui le demande. C'est moi qui lui demande. Ah, c'est vous lui demandez, ouais, qu'elle envoie un petit SMS. Ça me rassure qu'elle soit au boulot, bien arrivée. Je peux comprendre, je peux comprendre. Voilà. Troisième question, Robin. Elle vient d'apprendre que vous la trompez et elle décide de vous quitter. Côté matériel, elle va être du genre à vous laisser seulement la moquette et le papier peint, ou à partir avec un jean et 2 pulls, ou à tout partager, elle, le hamster, vous, la cage du hamster, bref, on partage. C'est clairement un hamster. Elle va tout partager au centimètre. Au centimètre. Ouais. Karim? Bah, si c'est de ma faute, elle prend tout et puis je suis dehors. Elle vient d'apprendre que vous la trompez. Il y a des chances que ce soit d'autres fautes. Voilà, hein. C'est pas elle qui vous a poussé. Voilà. Donc du coup, ce serait... Eh ben, du coup, c'est... La moquette et le papier peint, c'est tout. Voilà, exact. La moquette et le papier peint. Et tout le reste, elle se barre avec. C'est ça. Philippe? Tout partagé. Tout partagé? Ouais. Tout. Il faudrait tout partager. Bon. Bah bon courage, hein, Robin, j'ai envie de vous dire. Merci. Vous ne sentez pas très compatissant quand même. Allez, c'est le retour de vos chéris. La rencontre, Robin, Mélanie, c'était lors d'un match de foot, de football américain, c'est ça? C'est ça. Vous jouiez au football américain? Ouais. Et vous aviez donc la totale, parce que épaulière. Le foot américain, ce qui est génial, c'est que ça nous donne une carrure. C'est ça. Le mec balèze, et puis après, une fois que vous l'enlevez, bah, de profil, des fois, on ne les voit plus, les gars. Mais c'est un peu ça, ouais. Et donc là, Mélanie, vous l'avez vu, vous avez dit, ah ouais. Eh ben, pas tant que ça. Je l'ai trouvé mignon, mais on était tous les deux en couple, et du coup, on ne sait pas... On ne sait pas plus que ça à calculer. Oui, mais alors, ça a été quoi le déclic pour que, de ce pas plus que ça, ça devienne l'homme de votre vie? Eh ben, ça a pris quelques années. Ouais, c'est ça. Parce qu'on s'est vus en 2010 pour la première fois et on est sortis ensemble en 2016. Ah oui, c'est le temps que ça réfléchisse. Ouais, ah oui, oui. Fallait intellectualiser le délire quand même. Mm-hmm. Ah ouais. Et ça dure depuis combien de temps? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. 2 ans. Ouais. On y va avec la première question? Allez, c'est parti. Vous le reconnaissez aujourd'hui, lorsque vous avez fait ça, c'était pas très malin. C'est quoi? Je pense que c'est... on cherchait un appartement. Mmh. Et du coup, j'avais lancé les recherches, etc. Première visite, j'ai dit à Robin, bon, ce truc-là, je pense qu'il est bien, il faut aller voir, etc. Et du coup, j'avais fait la fête la veille. Et le lendemain, j'étais très fatiguée, je me suis endormie l'après-midi. Et Robin, j'avais la voiture. Robin, très mignon, m'avait laissé la voiture pour qu'on puisse aller faire la visite. Et en fait, il m'a appelé, et j'ai jamais décroché. Je me suis jamais réveillée. Il a dû faire la visite tout seul. Et à la fidélité, vous avez eu l'appart ou pas? Eh ben non, on n'a pas pris celui-là. En fait, il était horrible. Non seulement il s'est tapé des heures de transport pour voir un appart moche. Tout seul. C'est ça. Tout seul. Il m'en a vraiment voulu en rentrant. Bah, c'est surtout que je suis rentrée, elle était encore en train de dormir. C'est moi qui l'ai réveillée. Ah. Robin. Bah, c'est tout à fait ça. Eh bien, ouais, votre petite pancarte. Oh. Ça disait quoi, ce message? Ah. Mélanie, ben non, je vous demande à vous. Ouais, je vois. Je pense que c'est un message qui d'une de ses ex qui lui proposait de venir avec lui et ses copains à l'Oktoberfest. Oh. On parle de Lucie ou Exactement. Ah, mais je disais ça moi. La gentille Lucie. Voilà. Mais en tout bien, tout honneur, évidemment. Toujours. Martine.
C'était pas très malin quand vous avez fait ça? Moi, je pense qu'on était en vacances dans les Landes et on rentrait d'une soirée. Et il conduisait très, très vite. Il y avait mon beau-père devant, moi, j'étais derrière l'arrière. Et moi, je lui dis, tu arrêtes parce que tu conduis pas comme ça, parce que si tu conduis comme ça, moi, je descends. Uh-huh. Et il me dit, ben, descends. Et je dis, bon, il y avait la forêt. Tout. Ouais. Bon, je dis non. Puis alors, arrivé à l'hôtel de son beau-père, il dépose son père. Puis il me dit, non, non, tu descends, tu descends, tu descends. Alors moi, je descends. Je vais à l'hôtel avec mon beau-père. Oui. Puis après, je dis, ah, non, je ne peux pas aller dormir avec lui. Alors je me couche dans le canapé en bas. Il y avait un sofa. Et puis, au bout d'une heure, il y a un monsieur avec une valise, un commercial, qui arrive. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, je dis, en fin de compte, mon mari conduisait vite, j'ai préféré rester là. Et il me dit, bon, ben, je vais vous raccompagner. Il m'a raccompagné, puis il m'a vu arriver. Et là, bon, il s'est dit, mais d'où elle sort? Comment elle a fait? Il y avait 4 km. Donc, voilà. Oui, mais visiblement, le commercial lui plaisait. Il avait un gros 4x4. Il était beau. Oui, ben bah, n'en rajoutez pas, Martine. Bon, Philippe nous a pas parlé de ce commercial et de son gros 4x4. Philippe nous a parlé de sa queue de billard. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Aussi. C'est vrai. Aurélie. Alors moi, je pense, c'est quand il était au boulot et qu'il m'a appelé pour dire qu'il rentrait, sauf qu'il a mis beaucoup de temps à venir à la maison. Donc je l'ai harcelé au téléphone parce que je suis jalouse et je me suis posé beaucoup de questions et en fait il est rentré à la maison avec un bouquet de fleurs et c'est pour ça qu'il était en retard. Mais alors attendez, monsieur, quand vous dites il a beaucoup de retard, s'il est parti acheter un bouquet de fleurs, bon, c'est un retard de quoi? Une heure. Une heure. Ah, et une heure, c'est. Ah, bah, ah oui, s'il vient, c'est 10 minutes après, il est là. Mais vous voulez qu'il fasse quoi en une heure? Bah, il était avec la fleuriste, Valérie, qui paraît-il est très sympathique. Voilà. Karim, faites voir votre pancarte. Oh, sel dans le café. Ah oui, c'est vrai. Qu'un lendemain de dispute, vous lui mettez du sel dans le café. Bah, Gauthier Ménard, oui, c'est vrai. Il a le dos tourné, il a la cellière et hop. D'accord. Oui, c'est vrai. Bravo. Mmh. Je lui mets du sucre dans son réservoir, on se fait des vannes de foufou, je mets de l'essence autour de ses cigarettes, on se marre, hein, je peux vous dire. Deuxième question, Martine, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble, d'accord, 3 mois, et tous les matins, vous envoyez un texto à votre chérie pour lui dire que vous êtes bien arrivé au bureau. Mmh. La réaction de Philippe, c'est quoi? Il est sous le charme, il se dit que c'est trop mignon ce genre d'attention, ou il vous charrie et il vous dit, c'est bon, t'as pensé à prendre ton goûter? Ou alors il est inquiet, elle va quand même pas me faire ça jusqu'à sa retraite. Sous le charme. Il est sous le charme, Philippe. Eh ben, pas du tout. Inquiet, oui, parce que je n'en envoie pas souvent. Il est inquiet. Ouais, c'est Aurélie. Vrai. Moi, je pense la première. Il est sous le charme. Ouais. Il aime bien ce genre d'attention, ouais. Karim. C'est pas ça? Un bisou. Mélanie. Bah oui. Je pense qu'il est sous le charme. Il est sous le charme, Robin. Les petites attentions, les petits textos. Je suis bien arrivé. Ça marche. Aurélie, vous êtes jalouse, ça tombe bien. Vous venez d'apprendre qu'il vous trompe. Ok. Donc du coup, vous décidez de le... Bah, il part. Hein. Oui, c'est ça, vous le quittez. Bah oui. Oui, vous décidez de le quitter. Côté matériel, vous allez être comment, Aurélie? Vous allez partir avec un jean et 2 pulls? Vous allez lui laisser seulement la moquette et le papier peint? Ou alors, vous êtes du genre à tout partager, vous, le hamster, lui, la cage du hamster? Lui laisser la moquette. Vous laissez la moquette et le papier peint? Ouais. Karim? Vous êtes prévenu? Pourquoi vous vous cachez avec le panneau pour lui faire un bisou? Parce que jamais en public. Ah non, il veut pas. Pourquoi votre femme regarde? Mélanie. Ouais, pareil, je pense que c'est la moquette. Ah ouais? Je l'aurais mauvaise. Hein. Robin. Parfait. Tu partages tout. Tu sais à quoi t'attendre du coup. Oui, je sais du coup. Martine. Bon, moi, je partage tout. Vous partagez tout? Ouais. Philippe.
Et ça marche. Ce qui donne 5 points pour les bleus, 5 pour les jaunes, 10 pour les rouges. Avant la deuxième manche qui arrive. Et puis on parle des prochains castings des amants, mon Pascal. Oui, Bruno. Alors on ira chercher nos futurs couples à Paris et en région parisienne. Les castings, c'est toute l'année. Également toute l'année, les castings depuis chez vous avec votre webcam. Comment faire ? Eh bien, vous allez sur notre site france.tv et vous suivez les indications. C'est très bien fait. Aurélie, aide-soignante. Oui. Martine, retraitée. Vous travailliez avant dans une crèche municipale. Oui. Et Mélanie, vous êtes chargée d'études, c'est bien ça ? Oui. Dans quoi ? En fibre optique. En fibre optique, ouais. Très bien. Aurélie, mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Ouais. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Mais je trouve pas. Il vous a eu comme ça ? Ouais. C'est vrai ? Ouais. Ça s'est passé où ? Dans le bar, à Mâcon. Ouais. Il est rentré dans le bar et il a chanté cette chanson. Mais devant tout le monde. Ah, devant tout le monde. Mais c'était un karaoké ou... Ah oui, d'accord. Un karaoké, ouais. Et là, fait, il vous a regardé. Je l'ai trop dit. Je te le dis quand même. Ouais. Ouais. Et je suis tombée sur le charme. C'est vrai ? Ah ouais. Et là, tout de suite, quand il vous a dit le... Je t'aime. Ah bah, là, vous avez... mais... oui, mon héros. Il est beau, il a une belle voix. Et bim. Ouais. Vous êtes sortis tout de suite ensemble. Bisous tout de suite. Après, on a été en boîte de nuit et puis ça s'est fait après comme ça. Ouais. Ouais. Et là, c'est... Ouais. Je sais bien que je te l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Quoi ? Je t'aime. C'est ça. Et tout ça, ouais. C'était il y a 13 ans maintenant. Ouais. On y va avec la première question ? Allez. À propos de quoi pourriez-vous dire à votre chérie, arrête un peu, t'es si magré ? Déjà, ça permet de replacer le mot simagré, ouais. En 2019. Ah oui. Je suis le premier animateur à le réutiliser de l'année, le mot simagré, vraiment. Saluons toute l'équipe de rédaction. Ah, mais ça, à propos de quoi ? Eh bien, quand il se fait mal, il pleure pour un rien. Ah. Dès qu'il a un petit bobo, ça y est. Bah, c'est un homme, en fait. Hein, ça s'appelle. D'accord. C'est ça. Martine. Moi, c'est comme il s'est fait opérer du dos, il se plaint toujours du dos, même s'il n'a pas trop mal, il se plaint. Pour qu'on s'occupe de lui, en fin de compte. Parce que quand il voit que je ne m'occupe pas assez de lui... Mais vous dites, même quand il n'a pas trop mal, comment vous pouvez savoir qu'il n'a pas trop mal ? Non, mais parce qu'en fin de compte, quand c'est un copain lui dit « Tu viens, on va jouer à la pétanque. » Ah là, il a pas mal. Il a pas mal. Ah oui, bah oui. Ah non, non. Et quand c'est pour faire son jardin, non plus. Ouais. Ah donc, je me dis, en fin de compte, il n'a pas si mal que ça. Bon, quand il a mal au dos. Mélanie ? Moi, je pense que c'est quand il me dit qu'il a trop mal au dos pour faire la vaisselle. Non, mais le plan de travail est beaucoup trop bas, du coup ça me fait me pencher et après ça va pas. D'accord, mais ça marche ou pas ? Bah ouais, c'est vrai. Il a été opéré de la flemme il y a combien de temps ? Allez, deuxième question, Martine. Si votre chéri était membre d'un groupe de rock, il serait certainement le chanteur. Celui qui prend toute la lumière. Ou alors il serait le batteur. Celui qui, mine de rien, multiplie les conquêtes. Ou alors il serait le bassiste. T'as vu ? Les musiciens, ils font toujours un... C'est vrai. Ils ont toujours une grimace. Ouais, ouais. On a l'impression qu'ils jouent avec leurs poils, des fois. Le bassiste, c'est celui dont on oublie toujours le nom. Il serait qui, alors ? Le chanteur, le batteur, le bassiste ? Bon, moi, je vais dire le chanteur, parce que quelquefois, il chante de l'opéra. C'est pas du rock, mais bon... Il chante de l'opéra ? Oui, des fois, mais il sait pas bien chanter. On va faire un petit test, quand même, tout à l'heure. Mélanie ? Le chanteur. Le chanteur ? Ouais. Il chante un peu des fois ? Oui, très très mal. C'est vrai ? Je dois l'avouer. Un petit récital. Il est plutôt dans quel répertoire ? Chanson française. Chanson française. Ouais. Alors on a de l'opéra, de la chanson française. Aurélie, dites-moi qui chante en anglais, un petit truc en yaourt, genre I went to him. Non, je sais pas. Oui, en yaourt. Hein. Il fait du yaourt. Hein. Mais non, il chante bien. Très bien en français. Ah, il chante très bien en français. Ah oui. C'est pour ça que je suis tombée sur le charme. Hein. Bon, on lui fera faire le Patrick Bruel pour voir quand même. Mélanie. Troisième question, c'est la question bonus. Imaginez quelques secondes avant le premier câlin, en pleine fougue. Il vous demande de faire une pause, le temps pour lui de ranger son pantalon. Un peu Popeye dans les bronzés, vous savez, quand il prépare, son pantalon blanc. Vous vous dites, ce type est formidable. Vous vous dites, ce type est un maniaque. Ou vous vous dites, ouais, non, ça, c'est un psychopathe. Maniaque.
Maniaque. Allez, maniaque. Aurélie. Un psychopathe. Un psychopathe. Martine. Ben moi, je vais dire maniaque. Maniaque et psychopathe. Voilà, on n'a aucun type formidable. Non. Ça va leur faire plaisir, ils reviennent. Robin, à propos de quoi est-ce que votre chérie pourrait vous dire « Mais arrête un peu tes simagrées. Stop your simagrées. » Les courbatures après le sport. Je lui demande souvent de me faire un petit massage quand je suis fatigué. Du coup, je pense que ça pourrait être... Courbatures après le sport ? Ouais, je pense. Pascal ? Eh ben non, là on n'y est pas du tout. Hein. À moins que vous emmeniez de la vaisselle au sport, je ne sais pas. C'est vrai, c'est vrai. L'excuse du mal au dos. Ouh. L'excuse du mal au dos pour zapper la vaisselle, Robin. Je la conseille, elle marche très bien. Champion du monde, bravo. Martine et Philippe, tiens, Philippe, avant de répondre, une petite photo quand même. Ça, c'était avant. C'était il y a quoi, il y a 2 ans? Ah non, ah, il y a là, 34 ans, cette photo. Plus que ça. Vous êtes beaux tous les deux, vraiment. Non, mais il était beau, il est moins beau. Moi, je vous trouve dur. Il a beaucoup de charisme. Oui, voilà, c'est ça. Heureusement. Il a beaucoup de charisme, Philippe. Oui, oui. Philippe, à propos de quoi pourrait-elle vous dire « Arrête un peu tes simagrées » Ben moi, je dirais... j'ai eu des problèmes de dos. J'ai été opéré 6 fois du dos. Mais bon, je dirais, je suis tout le temps en train de me plaindre de douleur, moi. Ouais, de mon dos. D'accord. Douleur de dos. Martine. Mm-hmm. Ça marche. Il attendait le bisou quand même, j'arrive. Oui. Karim. Bah moi c'est quand on bricole le week-end à la maison. Voilà, il arrive souvent que je me fasse mal et puis dès que je me fais mal, bah en fait je pleurniche. Voilà. Oh il pleurniche ouais. Karim. Bah, moi je me suis mis une écharpe de planche dans mon doigt. Donc ça arrive souvent que l'autre coup je me suis fait mal au doigt, du coup bah c'est vrai que arrête de pleurnicher. Aurélie. Ouais. Il est caché hein. Philippe, si vous étiez membre d'un groupe de rock, vous seriez certainement le batteur, celui qui, mine de rien, multiplie les conquêtes, ou alors le chanteur, celui qui prend toute la lumière, ou alors le bassiste, celui dont on oublie toujours le nom. Moi, je crois que je serais la une. Le chanteur ? Le chanteur, oui. Non, c'est le batteur. Non, celui qui, mine de rien, multiplie les conquêtes. Ouais, c'est vrai ? Ouais, ouais. Il y en a eu des conquêtes, Philippe, avant Martine ? Ah, ouais. Ah oui, ça c'est avant. Oui, on a compris. Mais bon, alors Martine, est-ce qu'elle nous a dit ça ? Le panneau. Martine, non. Oh. Le chanteur. On n'a rien vu. Montrez aux téléspectateurs. Excusez-moi. Hey, c'est qu'on n'est pas contre nous. Il y a 1 million de personnes qui regardent. Merci. Karim, vous seriez quoi ? Le bassiste, le chanteur ou le batteur ? Moi, le chanteur. Le chanteur, c'est celui comme qui ça prend que toute dragué. La lumière. Alors, faites-nous juste le « Je sais bien que je te l'ai trop dit », faites voir. Je sais bien que je te l'ai trop dit, mais je te le dis quand même, je t'aime. Ouais. Bravo. Merci. J'étais à 2 doigts de vous sauter dessus pour vous embrasser. Même moi, ça m'a... C'est la bonne réponse, c'est le chanteur. Robin, vous êtes qui ? Le bassiste, le batteur, le chanteur ? Je pense que connaissant mes talents pour la chanson, elle n'aurait jamais mis ça. Je serais le batteur. Le batteur. Sérieux ? C'était de l'humour. Au départ, je me suis dit que j'allais faire un test, puisqu'on savait que Karim chantait pas mal. Philippe, il paraît que vous chantez de l'opéra, mais que c'est pas fou, hein. Et puis Robin, il paraît que vous chantez aussi de la variétoche, mais que c'est pas fou. Donc, dans un souci de préservation de l'audition des téléspectateurs des Amours... Je pense que c'est mieux. On va éviter et on va faire un point sur les scores. 5 pour vous les bleus, 15 pour les jaunes et 25 pour les rouges. La question bonus arrive juste après ça. Question bonus, Robin, imaginez quelques secondes avant le premier câlin, en pleine fougue, vous lui demandez de faire une pause, le temps pour vous de ranger votre pantalon. Elle réagit comment, Mélanie ? Elle se dit « ce type est un maniaque », elle se dit « ce type est formidable » ou bien « j'appelle ça un psychopathe ».
Je dirais qu'elle appelle ça un psychopathe. Mélanie, un psychopathe, et elle... Elle était partie sur maniaque. Philippe, elle se dit quoi, Martine ? Il est maniaque, maniaque, il est formidable, maniaque, ou psychopathe, maniaque. 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 Martine ? Mais oui. Ben, ah, ben, mais oui. Oui, oui, il est maniaque. Il est maniaque. Et ben voilà. Karim ? Ben, psychopathe. Psychopathe ? Ben, ouais. Aurélie ? C'est une bonne réponse. Vous êtes les amours du jour. Mélanie, Robin, Martine, Philippe, merci d'être venu sur le plateau des amours ce matin. Vous n'allez pas en finale, mais vous avez quand même des cadeaux, regardez. Kenwood vous offre Kakook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps, idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Aurélie, Karim, c'est votre finale. Est-ce que vous êtes prêts ? Au top. Karim, Aurélie, connaît-elle ? Top, le repas dans la journée dont vous ne pourriez pas vous passer ? Oui. Les moules. Stop. Ah ouais. Alors, je reformule. Alors, c'était pas la réponse à toi, c'était le repas dans la journée dont vous ne pourriez pas vous passer. D'accord. D'où les moules ? Moi, un repas préféré, pour moi, c'était les moules. Ah oui, non, mais on parle de celui dont tu ne peux pas se passer. Vous ne mangez pas des moules tous les jours, non. Karim ? Non, non. D'accord. Au moins une fois par semaine. Oui, enfin bon, tous les jours, c'est quand même... Allez, on y retourne. Karim, Aurélie connaît-elle ? Top, le montant de vos frais d'essence chaque semaine ? Passe, non. La matière que vous détestiez le plus à l'école ? Oui. Maths. Le poisson ou fruit de mer que vous préférez ? Oui. Les moules. Stop. Bah... Aurélie, c'est une fixation ou... J'enlève. C'était le saumon. Allez, Karim, Aurélie connaît-elle ? Top, le moyen de transport que vous détestez le plus ? Oui. Le train ? Le comédien comique que vous préférez ? Oui. Je passe. Votre oiseau préféré ? Non. Passe. L'âge de votre père ? Oui. 78. Stop. Ah mince, j'ai mis 10 ans de plus. Il vient de prendre 10 ans dans la gueule en une seconde. Non, mais il lui, a quel... Non, 20 ans, il a 20 ans, oui. Il a, non, quel... il a 58. Ans. Et quand il va voir l'émission, il va voir les moules. Ton papa. C'est mon papa qui a 58. Un festival. Karim, Aurélie connaît-elle ? Top, votre signe astrologique ? Oui. Scorpion. Le pays étranger où vous pourriez habiter ? Oui. Algérie. Le Canada. Est-ce pas là, là, je suis désolé, mais à un moment... Ah oui, non mais, Aurélie, là, on va pas se mentir, ça a été une foirade complète. Hein. Carrément. Il reste quoi ? Les moules et puis votre cadeau, regardez. Aurélie et Karim à Saint-Jean-Cap-Ferrat, face à la mer, séjournez à l'hôtel Del Cloa, groupe Vacances Bleues, et découvrez la magie de la Côte d'Azur et des journées baignées de soleil. Bon, hé, hey, Aurélie, l'avantage, c'est qu'à Saint-Jean-Cap-Ferrat, honnêtement, je vous donnerai 2-3 arrêts. Vous dégustez des moules exceptionnels, vraiment. Merci. Allez, merci de nous avoir suivis. Les amours reviennent très vite sur France 2, tout de suite. C'est le copain Nagui. Prenez soin de vous.